What's up, c'est Izuku, artiste de Montréal, Saint-Laurent. Ça fait un an que je rappe. Là, je fais l'interview avec It Story, artiste du Barbie Production. On est là, au studio, je recode tous mes shit. On est ensemble, force, force, force. Mon film préféré? Honnêtement, j'ai pas de film préféré. Je regarde plus des séries. Je dirais une série que j'ai beaucoup kiffé, Peaky Blinders. En gros, c'est une série, genre, c'est des gangsters en Angleterre. Et ils ont fait la guerre en Europe. Je pense que c'est la deuxième guerre mondiale. Après, ils reviennent, ils partent de rien, ils font leur business et tout. Et j'ai kiffé la psychologie derrière parce qu'il y a plein de trucs qui se passent à chaque fois. Puis chaque personnage, il a comme son schéma psychologique dans l'histoire. C'est ça qui est cool. Pour de vrai, mon album de musique préféré. Et je sais pas, à notre époque, je te dirais la vérité, j'écoute plus beaucoup des albums en tant que tel, tout l'album. Genre, j'écoute des beats que j'aime, je les mets dans une playlist, puis je les écoute, tu comprends ce que je veux dire? On dirait que les artistes live, c'est moins genre, ils sortent un album complet. C'est plus genre, ils sortent un album où il y a plusieurs tracks. Puis comme, il y en a quelques-unes qui sont bons, que moi j'aime personnellement. Je dis pas que les autres sont mauvaises, mais il y en a plus que j'aime, puis je pique de ce que je kiffe. Peu importe le style. Puis c'est ça, frérot. Versatile. Parce qu'il y a vraiment de tout. Tu peux trouver du latino, tu peux trouver du rap français, tu peux trouver du rap de London. Voilà, j'écoute vraiment de tout. Si je kiffe le flow, je kiffe le vibe de l'artiste, moi je file, voilà, je le mets. Moi, pour l'instant, j'étudie, puis je me concentre sur le rap, je travaille un peu, puis c'est vraiment ça. Puis je travaille beaucoup sur ma musique, comme c'est vraiment un centre de ma vie, donc comme je passe beaucoup de temps à faire ça, je peux pas non plus faire plein de trucs, je me concentre sur mes études, ça, et travailler, comme ça, je focus sur mes trucs, tu vois ce que je veux dire? Le pire job que j'ai eu, de vrai, je pense que c'était Tim Hortons. Mais après, je te dirais, chaque job que j'ai eu, parce que j'ai work quand j'étais au secondaire aussi, tu vois ce que je veux dire. Et comme je les vois comme des expériences, c'est sûr, quand t'as un job et tout, c'est chiant, mais après tu dois te lever pour ton pain. Je dis pas de faire ça toute ta vie, mais moi je respecte n'importe quel work que tu fais. Si tu te lèves pour travailler, faire ce que t'as à faire, t'as capté. Juste personnellement, le fast-food, frérot, moi je kiffe pas, t'as capté. C'est vraiment team que j'ai pas aimé l'expérience, là. Voilà, c'est vraiment ça. Je l'ai sûrement mis dans un compte chez eux. Je l'ai remis dans mon compte. J'ai rien fait de particulier avec. Ouais, c'est tout, honnêtement. Non, je dis pas que c'est chaque jour, mais pourquoi je l'aurais utilisé? L'argent, ça pleut pas. Je pense pas que demain, je vais me réveiller à quelqu'un qui va m'offrir 1 000 $. Donc si je me réveille, tu m'offres 1 000 $, je pense pas que je vais aller le dépenser. Comme ça que je le vois. Ah, je sais pas te mentir. Donne-moi le 10 000 $, après on parle affaire. Pour de vrai. Soit la cuisine de ma mère ou mes tantes, soit sinon un bon resto en France là. Parce qu'en France là, je te dis la vérité, la cuisine elle est pas comme ici. C'est vraiment différente là, tu vois ce que je veux dire. Donc peut-être je serais allé à un resto à Paris, un truc comme ça. Je sais que je ne sais rien. Tous les jours t'apprends quelque chose. C'est tout. C'est que moi, peu importe l'instru que tu vas me donner, je vais faire un flow dessus, je vais m'ajuster, puis je vais tout faire pour la péter. Je vais pas te dire, oh, l'instru, je l'aime pas et tout. Peu importe l'instru, il la choisisse, je vais faire ce que j'ai à faire. Et ça, j'en suis certain. Pour de vrai, le meilleur que je dirais que l'audience a le plus feel, c'est Filature. Il y a eu beaucoup de bons retours dessus. Même ça a touché des nouvelles personnes. Je dirais que c'est ça le meilleur, Filature. De ce que les gens ont aimé, tu vois ce que je veux dire? Pas te mentir, c'est mon producteur qui m'a introduit là au vidéoclip. J'ai bien kiffé là parce que c'était un vibe comme si que genre, même si ça fait longtemps, genre on peut se reconnaître à vous là. Vous étiez voilà tous dehors comme nous, tu comprends, qui chill la nuit. Tu comprends, moi j'ai filé l'ambiance, puis c'était aussi des footex. Sans pas te mentir, c'était une bonne réaction parce que j'ai pu me reconnaître à ceux qui ont fait avant nous, tu comprends. C'est quand même bad là, voilà, moi j'ai kiffé.